vous présente des petits chiots qui ont 7 semaines. Dans une quinzaine de jours, ils peuvent partir chez leur propriétaire. Et à cet âge-là, c'est pas facile de gérer dans une maison sans parc. Je reviens sur le sujet parce que souvent les gens pensent que c'est de la maltraitance, qu'ils sont enfermés dans un parc ou dans une cage, mais ce n'est pas du tout le cas. Quand vous n'êtes pas là, ça évite d'avoir beaucoup de problèmes, de manger les prises de courant, le coussin qu'il a et ma manche, les coussins du salon, ce qui fait que quand vous rentrez, vous n'êtes pas content, le chiot le voit sur votre visage, même si vous ne lui dites rien, même si vous ne grondez pas, il associe automatiquement votre tour à quelque chose de négatif. S'il est dans son parc, quand vous êtes absent, bien sûr, pas quand vous êtes là, il se repose, il joue, il dort, et à votre retour, tout se passe bien. Au niveau de l'alimentation, vous mettez sa gamelle dans le parc, ce qui fait qu'il est toujours très content d'aller dans son parc, parce qu'il a à manger, et il associe toujours le parc à quelque chose de positif. C'est l'idéal parce que dans le temps, les chiots partaient plus tard. Ils partaient vers 3 mois, 3 mois et demi. Et en un mois, ils comprennent beaucoup de choses. Le mot, ils comprennent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais à cet âge-là, ce n'est pas le cas. Souvent, les gens me disent, oh oui, mais ils ne font pas de bêtises. Le mien ne fait pas de bêtises. Non, non, ils ne font pas beaucoup de bêtises à cet âge-là. Ils ont encore des toutes petites dents. Seulement, quand ils attrapent 4-5 mois, alors là, ce n'est pas le coussin qui pulvérise, c'est la banquette. Donc, c'est utile pour quand le chiot grandit. Parce que si vous ne mettez pas de parc, au début, il n'y a pas de problème, mais le jour où il a pulvérisé la banquette et que vous voulez le mettre dans un parc ou dans une cage, ça ne se passe pas bien du tout. Le chiot ne veut pas. À l'élevage, il est habitué. Quand nous, on lave les nurseries ou dans n'importe quel élevage, on les met dans des grands parcs et le chiot trouve ça tout à fait normal. C'est un petit peu comme un enfant qu'on met dans sa chambre. Si vous avez quelqu'un qui sonne à la porte et que vous avez un bébé, ben vous allez le mettre dans son lit barreau pour pas qu'il y ait d'accident. Et là, c'est un petit peu la même chose. Vous mettez le chiot dans son parc et vous partez tranquille. Voilà. Le parc facilite la vie au quotidien. Pour la propreté et pour l'éducation. Pour la propreté parce que le matin, lorsque vous allez voir votre chiot et qu'il est dans son parc, vous le prenez dans vos bras et vous le mettez au jardin directement. Si vous êtes en appartement, vous mettez même la laisse et le collier dans le parc et vous le prenez dans vos bras pour aller dehors. Si vous le posez sur le sol de la maison ou de l'appartement, le chiot va se soulager, ce qui est tout à fait normal, et par la suite, il aura plus de mal à comprendre l'endroit où il doit faire ses besoins. Le parc facilite la vie au quotidien, également pour l'éducation. Lorsque le chiot est dans son parc, il joue avec ce qu'il a, ou il dort, ou il prend son repas, mais il n'est pas tenté de faire des bêtises ou quoi que ce soit, puisqu'il a l'habitude d'être parqué. S'il est en liberté dans l'appartement constamment, il ne peut pas savoir qu'il fait des bêtises. S'il tire les fils électriques ou s'il rogne le coin de la table, personne ne lui dit « non, ne fais pas ça puisqu'il est seul ». Si vous êtes là et que le chiot, par exemple comme là, mange mon foulard, vous lui dites « non, non ». Il arrête. S'il mange le coin de la table, vous lui dites « non ». Et vous lui donnez un jouet pour l'occuper. Alors, il peut faire la différence. Il sait que dans ce territoire-là, il y a des choses qu'il peut faire et d'autres qu'il ne peut pas faire. Et à ce moment-là, ça évite les conflits et puis les problèmes de tous les jours.